Et enfin, la troisième étape, c'est quelque chose de plus vieux ou de plus récent. Parce que plus vieux, plus récent, c'est pas forcément plus cher, plus élevé, c'est juste que ben, c'est d'occasion, c'est comme une voiture, quoi. Donc, rappelez-vous les trois alternatives. Moins, plus, plus vieux ou plus récent. Donc, vous pouvez poser la question, est-ce que vous envisagerez quelque chose de plus vieux, plus récent, plus élevé, moins élevé, si cela peut vous aider à économiser de l'argent, si cela peut vous aider à obtenir ça, 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 et encore plus de choses, mais payer un peu plus, ou etc., etc. Vous devez adapter en fonction des trois types d'alternatives que vous pouvez donner.